A small Thai island that's become a global hotspot for digital nomads. From co-working spaces to palm trees, hundreds of young adults have made this gem their temporary office. Koh Phangan has become a tropical paradise for teleworkers. This is Casa Tropicana, one of the island's main co-working locations. Did you figure out how to fix the spam? The people here work in IT, digital currencies, and web development. Laure Momus, a 43-year-old from Paris, was traveling around the world when coronavirus put her trip on hold. She's now working on the launch of a product for a sushi chain in Europe and earns 2,000 euros per month. Je travaille avec le graphiste sur le packaging, on refait les posters, etc. Je crée les réseaux sociaux, donc le contenu sur Instagram et Facebook, voilà. Et tout ça à distance? Tout ça à distance. Et ça vous plaît? Et j'adore ça, ouais. The location offers a bar/restaurant and a dozen rooms, but many of these digital nomads have made the decision to rent private dwellings. Laure rents this lodge for 280 euros per month. La nuit, je m'endors avec le bruit des vagues. Les seuls bruits que autres bruits que j'entends, c'est les pêcheurs qui partent ou qui reviennent. Et pour moi, c'est paradis. J'ai jamais été aussi proche de la nature. Dans les grandes villes, on est déconnecté. On va de temps en temps une semaine en vacances. Mais là, c'est l'inverse. Ma base, c'est la nature et j'en ai vraiment besoin. Other digital nomads have made the choice to stay at a hotel, but a true feeling of community has formed here on the island. J'ai un ami qui m'a créé mon site internet ici gratuitement, un autre ami que j'ai rencontré sur une piste de danse qui m'a créé le logo, une volontaire de ce resort qui était éditrice en Allemagne dans un magazine de finance et qui a corrigé mes articles en anglais. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. One more time, inhaling straight leg, straight arm. The sense of community was what made Sophie Vaxeler fall in love with the island. She used to be a consultant in Paris. She now publishes yoga videos online. I am fearless. I am powerful. When the pandemic began, she gave up her job and her monthly salary of 3,500 euros, but she believes in the choice she made. Toutes les semaines, chaque femme aura un cours de yoga, une méditation, un exercice de développement personnel et une huile essentielle adaptée. Et tout ça, vous le faites d'ici? Tout ça, je le fais d'ici. Ou d'ailleurs. Ça peut être n'importe où. Et vous serez payé? Si les femmes achètent le guide, oui. Mais j'y crois sincèrement, donc oui. Attracting more digital nomads to the island has become a full-time job for some, like this Frenchman who manages co-working spaces. He believes the pandemic will lead to even more demand. Je pense que le Covid a accéléré d'au moins 5 ou 6 ans cette révolution du télétravail. Le fait est que il y a moins d'un, juste un peu plus d'un an, il y avait des millions de personnes qui n'auraient jamais même pensé à travailler à distance. So to welcome them, he's opened a hotel, 45 rooms, a pool, a sauna, and a hot tub, starting at 550 euros per month. Il y a des gens qui font du télétravail, qui gagnent très bien leur vie. Et tous ces cadres supérieurs auront très bientôt besoin d'endroits où ils vont pouvoir faire du télétravail et habiter. All week long, these digital nomads unwind thanks to parties. As soon as restrictions are lifted, Sophie says she plans to go to Bali or to Sydney. Ce que tout ça m'a apporté, c'est la conviction que tout est possible et qu'on peut changer de vie aussi si on en a envie. Donc peut-être que dans 5 ans, je vais me dire non, en fait, je veux plus de ça, je veux retourner dans mon CDI. OK. Mais à date, oui, je me vois faire ça pendant plusieurs années. In order to attract more of these young and wealthy connected workers, Thailand is in the process of creating a special work visa for digital nomads.